On a cette espèce de masse de béton qui est gigantesque, qui est humide, alors que nous, on utilise de la technologie et de la microélectronique. Donc il y a tout un nombre de défis à faire. Ce lieu est magique, ça mélange le béton, le gigantisme, l'eau, les reflets. C'était une évidence de travailler ici, parce que quand on a vu le lieu, la première fois qu'on l'a visité, on a eu comme un flash, si vous voulez. On s'est dit, évidemment, il faut faire ces expositions ici. Cette base sous-marine a fait 42 000 m², il y a 600 000 m³ de béton armé qui ont été utilisés pour sa construction. La détruire, ça aurait été économiquement impossible. C'est un artiste qui convient bien à ce gigantisme du lieu, aussi bien dans les premières peintures qu'il a faites, qui sont finalement des grandes fresques murales, donc ici on a des murs, on a de l'espace. Et puis le fait que Klimt apporte une bascule, apporte une nouveauté, c'est aussi le moment de montrer que cette base sous-marine connaît une bascule, une nouveauté elle aussi.